Raphaël Grumman, vous êtes nutritionniste à Paris. Pouvez-vous nous parler du régime DASH ? Le régime DASH a été élu pour la 5e année consécutive meilleur régime du monde. Ce classement a été établi par le magazine américain US News. Il a également reçu deux autres récompenses, le meilleur régime pour la prévention de l'hypertension artérielle et le meilleur régime pour la prévention du diabète. Quelles sont les origines de ce régime ? Ce régime a été établi dans les années 90, à la fin des années 90, par un groupe de chercheurs qui se sont réunis pour établir des recommandations nutritionnelles pour leurs patients hypertendus. Il s'est avéré que ce régime était également efficace pour prévenir l'apparition du diabète. Peut-on espérer perdre du poids avec le régime DASH ? Alors oui, on peut perdre du poids avec le régime DASH. On perd en général en moyenne entre 2 et 3 kg le premier mois et ensuite la perte de poids se poursuit puisqu'il s'agit d'une hygiène alimentaire à appliquer tout au long de la vie. Donc la perte de poids est continue et il n'y a pas de reprise de poids. Quels sont les grands principes à suivre ? Tout d'abord, c'est supprimer les produits transformés, les produits riches en sel. Ensuite, on va privilégier les aliments comme les fruits, les légumes, les céréales complètes. On va également diminuer la proportion des protéines animales par rapport aux protéines végétales. Et on va limiter de manière très importante tous les apports en graisse et en sucre. Et enfin, quels sont les aspects pratiques du régime DASH ? Le régime DASH peut s'appliquer à toute la famille à partir de 2 ans. Il s'adapte également au poids de l'individu, à l'appétit de l'individu, puisqu'il est capable de moduler les portions en fonction des appétits de chacun. Il est également possible de placer des collations, donc on n'a vraiment pas faim dans le régime DASH, donc c'est pour ça qu'il est très pratique. Merci Raphaël Grumman.